Salut tout le monde, c'est Hartman. Aujourd'hui, je vais affronter le général atomique de la Chine en utilisant le général super arme des USA. Le tout avec 20 000 $ comme d'habitude, c'est parti. Je commence tout de suite par faire deux autres véhicules de construction et une centrale électrique. Parce que ce général-là, il consomme beaucoup d'électricité. Hop. Je vais construire un dépôt de ravitaillement. Allez, hop. J'améliore la centrale électrique. Bon, j'en construis une deuxième juste à côté. Et lui, il va se préparer à faire un aérodrome. Parce qu'il faut que je bâtisse ma base assez vite. Hop, je construis deux autres Chinook pour aller plus vite à récupérer de l'argent. Toi, tu vas aller là-bas. Et tu vas commencer à faire des défenses. Amélioration terminée. On va regarder ce que fait notre ennemi. Pas grand chose pour l'instant. Voilà. Une usine de char. Ça aurait été étonnant. Et hop, je construis tout de suite un commandement tactique. Toi, tu vas par là faire des défenses. Parce qu'on va avoir de la visite. Hop, j'améliore la centrale électrique là. Ça, c'est des systèmes patriotes avec un effet IEM. C'est-à-dire que ça paralyse les chars et les avions. Bah, les hélicoptères, ils s'écrasent directement. Donc c'est très efficace face à l'armée de l'air. Mais là, on affronte les Chinois. Hop. On va en construire un autre ici. Combien reste de temps? Énergie. Allez. On commence tout de suite par faire des canons à ions. Enfin des canons à particules. Et moi je suis resté sur le premier commandant Conqueror. Je prends tout de suite l'amélioration ligne de ravitaillement pour gagner plus d'argent. Et l'amélioration pour les scanners pour augmenter la portée d'armement. Voilà. Je construis encore une centrale électrique. Et voilà les premiers chars qui arrivent. Normalement, ils vont se faire laminer. Amélioration terminée. J'ai bien fait locher mon bulldozer. Bon, lui, il va aller en retrait un peu, comme il est pas costaud. En attendant que j'ai des moyens d'acheter une usine de véhicules. Hop. Voilà. Faire une autre centrale électrique.
ce bâtiment là, ça va leur permettre d'avoir des améliorations pour les chars et puis de pouvoir construire le missile nucléaire. C'est le centre de propagande. Donc va falloir que je le détruise assez rapidement pour éviter d'être dépassé par les ennemis. Allez. Encore un canon à particules. Voilà. Par contre, faut toujours surveiller l'énergie, quoi. Parce que là, mon général sans énergie, il vaut plus rien. Et voilà, boum. Encore deux avions de perdu. Il aime bien sacrifier ses avions et ses chars. En fait, je me disais que ça avançait pas la construction du bâtiment. Normal, il bossait pas, ce feignant. Oh, il s'est fait laminer. Hop, encore deux avions. Et voilà. Je vais quand même faire un point aérien pour gagner un peu de sous, un peu, enfin un peu plus. Hop. Je vais placer un drone par là. Oh, ça c'est pas bon signe. Alerte, silo de missiles nucléaires détecté. L'ennemi Lotus Noir a été découvert. Allez, je vais faire des défenses par là, un peu plus. Et je vais commencer à faire des avions Raptor pour détruire les nucléaires canons et les chars qui attaquent à distance. Unité perdue. Canon à particules prêt. C'est un drone qui a été détruit. Je vais préparer un hélicoptère. Allez, on va détruire ce bâtiment là tout de suite. Canon à particules activé. Hey, bon, je peux plus le déplacer, tant pis. Je vais m'occuper de son argent. Ça commence. Hop. Ouais. Groupe 1. Félicitations, général. Vous avez été promu. L'ennemi tente de s'emparer d'un de nos bâtiments. Ah, ça c'était pas mal de faire ça devant les canons. Voilà, j'ai fait plus de dégâts. Encore un ? Ouais, comment ça y avoir du monde. Hop, allez, un autre canon à particules. Mais je l'ai pas vu. Ça fait mal. Encore un. Détruire mes défenses. Ouais,
vite les rebâtir. Je construis un autre canon. Il faut que j'améliore l'énergie. Sans moins d'argent. Sauf qu'il va le rebâtir cet enfoiré. Canon allez. À particules activé. Ok, c'est peut-être un peu du gâchis, mais au moins. Ça lui prendra du temps de le rebâtir. Les centres électriques ennemies. Allez, ça a bien réparti. On va essayer d'en détruire un maximum quand même. Voilà. Canon à particules prêt. Hop. Un dépôt de ravitaillement en moins. Une centrale en moins. Et une usine de véhicules en moins. Ah, ça fait mal. Hein. Hop, voilà. C'est quoi qui m'a attaqué là? Hop. Prochaine attaque dans 50 secondes. De récupérer des ressources là, même si on n'a pas énormément besoin. Et hop, encore un canon à particules. Toujours des problèmes d'énergie lui. Canon à particules prêt. Et on va pas l'aider. Allez. Canon à particules activé. Ça lui fera encore de l'argent en moins ça. Est-ce qu'il peut gagner encore des sous? Non, je crois pas. Alors que moi, oui. Hop. Toi, tu as fin de centrale. Prochaine attaque dans 8 secondes. Sortez l'échafaudage. Canon à particules prêt. On va détruire les canons à
les missiles nucléaires en dernier. Tant qu'il peut pas s'en servir, il est un peu bloqué, quoi. Et voilà, les autres bâtiments moins. Canon à particules activé. Tu vas mourir, petit bonhomme. Il va plus rester vivant très longtemps, lui. Canon à particules frais. Spectre en attente. Prêt à l'attaque. Et voilà. Dégagez la zone. Canon à particules activé. Oh non! Mais non, c'est de la triche, ça. Bon, ben, j'ai gagné, mais... Bon, ça va. J'ai pas été trop ridicule. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut !